Salut, me revoici dans le jeu actuellement que je joue, LOL, League of Legends. Et là, c'est la partie 3-3v3. Donc, on voit Rammus, Tyrdamer, Vayne, Akali, Tyrdamer et Jax, qui sont deux bonnes équipes. Sachant que Jax est à moitié tank, un peu plus DPS, et Rammus est complètement tank. Vayne qui est très dur à tuer avec ses roulades, ses reculs en arrière, ses tirs à distance. Et je vais mettre pause, voilà. J'utilise LOL Replay, un logiciel qui permet d'enregistrer toutes les parties en format fichier très très petit, hein, qui font à peu près 2 ou 3 émaux. C'est vraiment minime pour des parties de sûrement entre 20 et 50 minutes, ça peut varier, même voire plus, si les équipes sont d'égaux. Et là on voit le début de partie, hein, les trois rouges qui pop de ce côté-là et les trois bleus qui pop ici. Le principe de base est d'attaquer les deux tourelles ici, bien sûr sans spécialement mourir, hein. On voit les ennemis tuer d'un côté et de l'autre. Et après, au final, détruire cette base ici. La carte est équivalente des deux côtés. Hein. Vous voyez, c'est une carte doublée, double face. Et je vais retourner un peu sur LOL Replay. Si je peux bouger la caméra en faisant, voilà, en mettant beaucoup plus loin que le jeu de base, qui doit être bloqué à peu près comme ça, je crois. Voilà. Qui donne une vue un peu plus grande sur la carte et vive aussi comme le fait vent. de pouvoir bouger la caméra en 3D qui donne une perspective du jeu autre et qui fait plaisir à de nombreux joueurs qui jouent à LOL qui permet d'avoir une vue différente. Voilà, je vais revenir dans la partie de base. On voit Akali qui part en bas. Généralement, le début du combat se passe ici là. Le premier qui arrive dans l'air peut se cacher et avoir un avantage d'attaque. Donc là, ils ont mis trop de temps à y aller. Bienvenue dans la forêt torturée. Et ben voilà, vous connaissez donc le principe de base. Chaque personnage a 4 sorts. Qui s'apprend avec les levels. Ah, une attaque. Voilà, vous voyez un peu comment se passe l'attaque. Ajax qui ne bouge pas sûrement, en tout cas il n'a pas vu. Voilà, c'était le lag. Il ne se passera rien. Vous voyez les ennemis à level 1. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. La tourelle fait très très mal à bas level. Hein. Et je vais vous quitter sur cet enregistrement. Souhaiter de bonnes parties sur LOL, le jeu qui est entièrement gratuit. Les seules choses qui sont un peu payantes, c'est vraiment les ajouts de personnages, mais encore, on a encore le choix soit de beaucoup des jouer avec sont des points pour pouvoir se payer le personnage, ou si on est trop pressé de mettre un peu d'argent et de pouvoir s'acheter le dernier personnage qui sort ou les dernières runes pour mettre sur notre personnage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et bienvenue sur LOL pour ceux qui ne connaissent pas.